Mesdames et messieurs, bienvenue à la télé-réalité de défis créatifs la plus innovante du monde entier. 16 étudiants en création de mode vont nous en mettre plein les mirettes. Mais un seul d'entre eux sera déclaré vainqueur. Le reste des étudiants retournera en classe avec une montagne de rêves réduite en miettes. Je m'appelle Maria Garcia et c'est moi qui vais vous présenter le projet Rainbow. Préparez-vous pour le projet Rainbow le plus excitant de tous les temps parce que cette année, Shadow Eye affrontera Rainbow Eye. Et sans surprise, c'est à moi de choisir qui d'entre eux va rester, qui va partir et qui remportera cette saison du projet Rainbow pour devenir l'étoile montante de la mode. Et en parlant des candidats, allons les découvrir. Je suis Diamante. Si les lumières ne sont pas braquées sur moi, c'est qu'elles ne sont pas orientées vers le bon côté. Glitcher dans la place et tu trépasses. Je me présente. Moi et mes incroyables créations, on domine et toi tu t'inclines. Je suis Hensley et en tant qu'ancienne étudiante de Rainbow High, je crois que je suis bien partie pour être la number one. Moi c'est Avery. Et moi c'est Aidan. Après le concours, Hensley va nous supplier pour revenir à Rainbow High. Je suis Michelle Saint-Charles. Pour moi, mes créations ont autant de valeur que la technologie et elles vont tailler toutes les idées. Je m'appelle Priscilla Perez. Et pour arriver au sommet, je vais faire en sorte d'être au top du top. Tous avec Rainbow High. Les candidats devront repousser leurs limites pour éviter l'élimination. Et ils ne seront pas seulement jugés sur leur savoir-faire, mais aussi sur leur capacité à travailler en équipe et à pouvoir s'adapter aux surprises que j'ai en réserve pour eux. Et en parlant de surprises, une incroyable nouveauté attend les participants du projet Rainbow cette année. Des invités spéciaux arriveront dans la compétition lorsqu'ils ne s'y attendront pas. Seulement voilà. Si parfois ils aideront nos candidats, ils pourront aussi bien jouer contre eux. Chaque participant aura accès à tout un panel de matériaux haut de gamme pour confectionner ses idées. Et en plus de ça, chacun de nos candidats aura accès à une machine à coudre personnalisée et ultra moderne créée spécialement pour le projet Rainbow. Alors qui lancera les hostilités ? Je croyais que tu gérais la situation. Je ne veux plus faire partie de ce groupe. Oh, arrêtez de filmer! Qui va nous faire vibrer? Waouh, je n'avais jamais rien gagné avant. Je suis vraiment trop fière de nous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis une menace. Et qui aura toutes les qualités requises pour remporter cette nouvelle saison du projet Rainbow? La suite au prochain épisode. Bienvenue à tous au projet Rainbow. Et cette année, Shadow High apprendra Rainbow High lors de différents défilés de mode. 8 créateurs représenteront chaque école, mais seul l'un d'entre eux repartira avec le titre d'étoile montante de la mode. Voici le projet Rainbow. Allons découvrir les candidats. Et on commence avec l'équipe Shadow High. Salut! Moi, c'est Zoé et j'ai trop hâte de faire cette compétition avec l'équipe Shadow High. Shadow High, c'est tout pour moi. Et la victoire aussi. Vision, création, Dia, c'est bien moi. Moi, c'est Rex. Je suis venu pour créer des vêtements d'enfer et écraser la concurrence. Je suis de retour et prête à saisir la victoire que je mérite. Salut, moi c'est Monique. Je cherche encore ma phrase d'accroche. Mais c'est pas grave, je vais la trouver à temps pour ma victoire en finale. Je suis honorée de travailler avec les créateurs les plus talentueux de Shadow High, que j'ai aussi la chance de pouvoir compter dans mes amis. En avant Shadow High! Maintenant, découvrons Rainbow High! Et pour rester fidèle au projet Rainbow, notre premier coup de théâtre qui va prendre place sur ce plateau va vous être expliqué par la présentatrice de l'événement, Maria Garcia! J'hallucine, c'est elle! La grande Maria Garcia! C'est incroyable, hein?
Merci beaucoup, Sunny et Luna. Elles sont fantastiques, non? Les candidats de Rainbow High ne sont pas là pour la simple raison que votre première épreuve ne se déroulera pas contre eux. Elle aura lieu entre vous. C'est simple. L'un des membres de votre équipe va quitter la compétition aujourd'hui. Une équipe qui travaille ensemble pour finalement se briser. J'adore le concept. Votre épreuve consistera à travailler en ne faisant qu'un pour créer une tenue confortable. Une pièce qui représente Shadow Eye à la perfection, comme si c'était son symbole. Les juges sont toujours des invités spéciaux, mais nous n'allons pas vous révéler leur identité. Pour l'instant, c'est les membres de l'équipe Rainbow Eye, je parie. On va choisir le chef d'équipe. Moi. Waouh. Dis donc, quel entrain. Va pour Dia. Équipe Shadow Eye, vous avez toute la journée pour réaliser cette épreuve. Et ça commence maintenant. Go! Rassemblement d'équipe! Si on veut que notre création soit le symbole de Shadow High, je pense qu'il serait bien de faire ressortir l'esprit de Shadow High. Oh oui, très bonne idée! Je me disais J'avais pas fini, Zoé. Je pensais à un truc. On n'a qu'à essayer de faire un pull dans le genre trop banal comme mettent les gens ordinaires. Mais on pourrait y ajouter notre petite touche Shadow-esque. Pourquoi pas? Je sais pas. Ce serait plutôt une idée à la Rainbow High, je trouve. C'est notre première épreuve. Là, il faut voir plus grand, plus conceptuel, plus audacieux. Ok, t'as une meilleure idée, alors? Moi, je pense que c'est parfait pour ce test. Je sais pas pour Chanel, mais moi, je laisse Dia diriger. Ma stratégie, c'est de suivre sans faire de vagues jusqu'à arriver en finale. Toi, t'occupes de ça, et toi, de ça. C'est l'heure du bilan de mi-parcours. On dirait bien que c'est... un pull, c'est ça? Oui, c'est comme les pulls que portent les gens lambda, sauf qu'il a une touche anti-paillettes, comme nous, l'équipe Shadow High. Oh, oui, oui, je sais. Je voudrais être sûre que ça saute aux yeux que vous êtes anti-paillettes, vous voyez? Et le travail d'équipe, tout va bien? Comme sur des roulettes. Ok, bon, je vous laisse retourner au travail. À tout à l'heure. Ça a été? Pas vrai? Et maintenant? Vous avez entendu, Maria? Il manque quelque chose. Ouais, elle veut que ça saute aux yeux qu'on est anti-paillettes. Donc on n'a qu'à écrire le mot anti-paillettes juste ici. Je crois pas que ce soit ce qu'elle voulait dire. D'ailleurs, anti-paillettes, c'est pas déjà le truc que dit Jade Hunter de Rainbow High? Ça va, il n'a pas déposé le brevet. Et puis, peu importe, je trouve ça classe. Ça vous dérangerait qu'on prenne les décisions à plusieurs, en équipe? Je suis la chef du groupe et je veux en mettre plein la vue à Maria. Génial. Allez, vous pouvez retourner travailler. C'est fini. Posez vos aiguilles. C'est l'heure du défilé de mode. Qui est-ce qui va le présenter? C'est à la chef de groupe de nous le dire. Pas le temps. En avant. Là, ça saute aux yeux que vous êtes anti-paillettes. C'est pour le moins osé. Ça me plaît. C'est simple, mais efficace. J'adore ce mélange de pulls, tout ce qu'il y a de plus banal avec votre touche Shadow Eye. Et j'aime bien votre inscription anti-paillettes. Ça prouve bien que vous vous prenez pas trop au sérieux. Joli travail. Merci. Bravo beaucoup à tous. Oh, super. Merci. En avant, Shadow Eye! Alors, vous avez dû remarquer qu'aucun juge n'a assisté à la présentation de votre projet. C'est parce que les juges de cette semaine, ce sera vous. Chacun votre tour, vous allez pouvoir voter de façon anonyme pour décider qui d'entre vous sera éliminé. La personne qui aura le plus de votes contre elle devra quitter le projet Rainbow et sera renvoyée en classe. Ceci étant dit, c'est l'heure de voter. Voici le résultat. Dia, tu es éliminée. Quoi? Vous n'êtes pas seulement évaluée sur le produit final, mais aussi le processus. Ton équipe a fait son choix. Tu dois partir. Prends toutes tes affaires, tu retournes en classe. C'est trop.
trop bouleversant! Et ce n'était que le premier épisode. À la semaine prochaine pour découvrir comment Rainbow High va s'en sortir. Et on est de retour! Bienvenue au deuxième épisode de Projet Rainbow! Et la semaine dernière était consacrée à l'équipe Shadow High, alors aujourd'hui... Ce sera un épisode consacré à Rainbow High. Oh, quelle joie! Oui, hein! Allons découvrir mon équipe, je veux dire, l'équipe Rainbow High! Tu peux être sûr que moi et mon style, on va vous tailler! J'ai tellement hâte de partager mes talents de costumière pour le projet Rainbow! Rainbow High, c'est l'équipe qui gagne! Moi, c'est Priscilla Pérez et je me suis préparée pour ce moment toute ma vie! J'ai vraiment trop hâte de commencer le projet Rainbow et les épreuves de mode! Tous ensemble, on forme une équipe d'enfer! Je suis trop fière d'avoir été choisie pour participer au projet Rainbow. Le style et l'amitié, c'est ce qu'on a à Rainbow High. Bonjour l'équipe Rainbow High. Salut les amis. Waouh, laissez-nous vous présenter l'esprit créatif qui se cache derrière ce projet Rainbow. Maria Garcia. Bonjour Rainbow High. Je veux dire, waouh, là je suis... Waouh. Je vous souhaite la bienvenue au projet Rainbow. Bon, vous aurez sûrement remarqué que l'équipe Shadow High manque à l'appel. Vous savez que vous avez un défi à relever pour cette semaine? Eh bien, ce ne sera pas contre eux, mais entre vous. Le défi qu'on vous a concocté concernera les accessoires. Les accessoires? J'ai changé de filière il y a un mois. Je travaille comme un acharné sur la mode. Et il faut aussi maîtriser les accessoires? Les accessoires peuvent compléter n'importe quel look. On vous demande donc de travailler en groupe pour créer une collection d'accessoires très chic. Ils doivent représenter Rainbow High. Avery sera votre chef de groupe. Au travail, Rainbow High, vous avez 8 heures. Réunion d'équipe, on se rassemble et on réfléchit. Les accessoires, c'est pas le fort de tout le monde ici. Alors, est-ce que quelqu'un s'y connaîtrait dans ce domaine? J'ai déjà fait des bijoux, moi. Et j'ai suivi un cours de travail du métal en Australie. C'est peut-être un peu trop ambitieux, mais... On pourrait faire une paire de chaussures. Des chaussures? Oh, je rêve. Trop ambitieux? C'est n'importe quoi ce que tu dis, Michel. J'ai déjà dû fabriquer des sandales et des bottes pour un spectacle. Sans rire, ça nécessite les mêmes compétences que la couture. Oh! J'ai toujours voulu essayer de fabriquer des talons qui seraient assez solides pour tenir pendant des heures sur scène. Des talons, tu dis? J'en avais dessiné une paire aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ces chaussures... Poufou! Ok, allons-y. Des boucles d'oreilles, des bracelets et des chaussures. Tous au travail, Rainbow High! Peut-être celui-ci. Votre attention, l'équipe Rainbow High. L'heure du bilan a sonné! Je sais que les accessoires, c'est pas le fort de votre équipe, mais... J'avoue que là, je trouve ça plutôt... banal. Banal? Elle les a bien vus, ces talons? Le côté positif, c'est que vous allez vite, mais... Vous avez confectionné des accessoires assez basiques. C'est une super idée, la semelle couleur arc-en-ciel, mais on ne la verra pas quand elles seront portées. La bonne nouvelle, c'est qu'il vous reste encore quelques heures pour les améliorer ou revoir le design. Montrez-nous que Rainbow High a du charme. Comment ça, elle n'aime pas ses talons? On fait quoi, Avery? C'est pas forcément la conception et la fabrication de nos accessoires le problème. Le problème, c'est qu'ils ne remplissent pas leur rôle d'accessoire parce qu'on n'a pas de tenue. Je sais que c'est risqué pour nous, mais qu'est-ce que vous dites de ça? Waouh! On va avoir le temps? Il nous reste presque 3 heures.
et on a réussi à prouver qu'on travaille vite. Posez vos aiguilles, c'est terminé. C'est l'heure du défilé de mode! Pour un défi accessoire, c'était insolite. Mais c'était incroyable! Laissons maintenant la parole à Maria Garcia. C'est simple, je trouve vos accessoires super. Créer une robe pour une épreuve centrée sur les accessoires, c'était osé. Mais c'est carrément mieux comme ça. Cette robe est fantastique. Et les points lumineux, c'est du génie. Ouais! Ouais! Super! Les amis, je suis trop fière de vous. On t'aime trop, Avery. C'est vrai! J'adore votre solidarité, mais j'ai une mauvaise nouvelle. Vous savez déjà que l'un d'entre vous doit partir de la compétition aujourd'hui, même si vous n'avez pas pu voir l'épisode de la semaine dernière avec Shadow Eye. La raison pour laquelle vous n'avez vu aucun juge aujourd'hui, c'est parce que c'est vous les juges. Chacun d'entre vous doit voter pour éliminer une personne de l'équipe. C'est l'heure du vote. Attendez, stop! C'est pas la peine. Je m'en vais. Vous avez toutes beaucoup de talent et d'expérience et vous méritez de rester. Je sais que je suis à la hauteur, mais je suis encore novice. En plus, j'ai pas le temps de faire mes devoirs et je dois réussir l'examen de maths. Tu es sûr? La personne qui est éliminée aujourd'hui est... Eden. Eden va chercher tes affaires. Oh, merci. L'équipe Rainbow High adore les câlins de groupe, pas vrai? Oui, on aime trop. On va s'arrêter là. C'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine pour le premier défi de Shadow High contre Rainbow High. On a trop hâte.